Ganaret demande à nous voir. Ah, peut-être a-t-il besoin de nos services.
Il est vrai qu'un orfèvre possède des trésors. Mais pas du tout. Cet homme veuf qui vit seul avec sa fille a certainement besoin des conseils avisés d'une femme. La plus avisée pour le conseiller sur les choses du cœur. Oh, lui, mon oncle. Oh, oh. Jamais un mot gentil, jamais un présent, jamais une parole pieuse. Je crois plutôt, je parierais, que ce ladre peut nous emprunter de l'argent. Oh, 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 il peut courir le bonhomme. Oh, oh, oh. Ah, le voici. Oh, l'étrange chose que la vie, et que je puis bien dire avec ce grand philosophe de l'Antiquité, que quitter a, guerre a, et qu'un malheur n'arrive jamais sans l'autre. Je n'avais qu'une seule femme qui est morte. Et combien donc en vouliez-vous avoir ? Elle est morte, monsieur mon ami. Cette perte est très sensible, mais je ne puis m'en ressouvenir sans pleurer. Je n'étais pas fort satisfait de sa conduite, et nous avions le plus souvent disputes ensemble. Mais enfin, la mort ajuste toutes choses. Elle est morte, je la pleure. Si elle était en vie, nous nous querellerions. Oh, de tous les enfants que le ciel m'avait donnés, il ne m'a laissé qu'une seule fille. Et cette fille est toute ma peine, car enfin je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde, dans une tristesse épouvantable dont il n'y a pas moyen de la retirer, dont je ne saurais même apprendre la cause. Pour moi, j'en perds l'esprit, j'aurais besoin d'un bon conseil sur cette matière. Vous êtes ma nièce, vous ma voisine, vous mes compères et amis, je vous prie de me conseiller tous ce que je dois faire. Pour moi, je tiens que la parure et l'ajustement est la chose qui réjouit le plus les filles. Et si j'étais que de vous, je lui achèterais dès aujourd'hui une belle garniture de diamants. Ou de rubis, ou d'émeraudes. Et moi, si j'étais en votre place, j'achèterais une belle tenture de tapisserie, de verdure, ou à personnage, que je ferais mettre à sa chambre pour lui ravir l'esprit et la vue. Mais non, mais non. Si j'étais à votre place, je lui ferais au plus vite et le mieux que je pourrais épouser cette personne qui vous l'a fit, dit-on, demander il y a quelque temps. Et moi, je tiens que votre fille n'est point du tout faite pour le mariage. Elle est d'une complexion beaucoup trop fragile et trop peu saine. Et c'est la vouloir envoyer bientôt dans l'autre monde que de l'exposer comme elle est à faire des enfants. Le monde n'est point du tout son fait. Et je vous conseille de la mettre dans un couvent où elle trouvera des divertissements qui seront mieux de son humeur. Tous ces conseils sont admirables, assurément. Mais je les tiens un peu intéressés et trouve que vous me conseillez fort bien pour vous. Vous êtes orfèvre, monsieur Josse. Et votre conseil sans son homme qui a envie de se défaire de sa marchandise. Vendez des tapisseries, maître Guillaume. Mais vous avez la mine d'avoir quelques tentures qui vous incommodent. Vu que vous aimez ma voisine, avait-on quelque inclination pour ma fille et vous ne seriez point fâché de la voir la femme d'un autre. L'amour n'a plus de traits.
À vous, ma chère nièce. Ce n'est pas mon dessein, comme on sait, de vouloir marier ma fille avec qui que ce soit, et j'ai mes raisons pour cela. Mais enfin, le conseil que vous me donnez de l'affaire religieuse est celui d'une femme qui pourrait charitablement souhaiter d'être mon héritière universelle. Aussi, quoi que vos conseils soient les meilleurs du monde, vous trouverez bon, messieurs, mesdames, que je n'en suive aucun. Oh. Voilà mes donneurs de conseils à la mode. Oh! Voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas. Elle lève les yeux au ciel. Elle soupire. Dieu vous garde. Bonjour, mamie. Eh bien, qu'est-ce? Comme vous en va? Et quoi? Toujours triste et mélancolique comme cela? Et tu ne veux pas me dire ce que tu as? Allons donc, découvre-moi ton petit cœur, là, ma pauvre mie. Oh. Dis toutes tes petites pensées à ton petit papa mignon. Courage! Viens, veux-tu que je t'embrasse? Oh, j'enrage de l'avoir de cette humeur. Mais dis-moi, me veux-tu faire mourir de déplaisir et ne puis-je savoir d'où vient cette grande langueur? Découvre-moi la cause, et je t'assure et te fais le serment qu'il n'y a rien que je ne fasse pour te satisfaire. C'est tout dire. Est-ce que tu es jalouse de quelqu'une de tes compagnes que tu vois mieux vêtue que toi? Et serait-ce quelque étoffe dont tu voulus avoir un habit? Non. Est-ce que ta chambre ne te semble pas assez parée et que tu souhaiterais quelques commodes, de la brocante, de la trimouille? Ce n'est pas cela. Est-ce que tu as envie d'apprendre quelque chose? Et veux-tu que je te montre, que je te donne plutôt un maître pour te montrer à jouer du clavecin? Ou de la trompe? Nenny, aimerais-tu quelqu'un? Souhaiterais-tu d'être marié? Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. Avez-vous su la cause de sa mélancolie? Non, c'est une coquine qui me fait enrager. Monsieur, laissez-moi faire. Je vais la sonder un peu. Mais il n'est pas nécessaire, et puisqu'il veut être de cette humeur, je suis d'avis qu'on l'y laisse. Mais laissez-moi faire, lui dis-je. Peut-être se découvrira-t-elle plus librement à moi qu'à vous. Pauvre. Mais quoi, madame? Vous ne me direz pas ce que vous avez. Vous voulez ainsi affliger tout le monde? On n'agit point comme cela. Si vous avez quelque répugnance à vous expliquer à un père, vous devez en avoir aucune à me découvrir votre cœur. Dites-moi, souhaitez-vous quelque chose de lui? Est-ce qu'il ne vous donne pas toute la liberté que vous souhaiteriez? Les promenades ou les cadeaux ne tenteraient-ils point votre âme? Avez-vous reçu quelque déplaisir de quelqu'un? N'auriez-vous point quelque secrète inclination avec qui vous souhaiteriez que votre père vous maria? Ah, oh, je vous entends, voilà l'affaire. Que diable, pourquoi tant de façons? Monsieur, le mystère est découvert. Va, fille ingrate, je ne te veux plus parler et je te laisse dans ton obstination. Mais mon père, puisque vous voulez que je vous dise la chose. Oui, je veux faire toute l'amitié que j'avais pour toi. Mais monsieur, sa tristesse... C'est une coquille qui veut me faire mourir. Mais mon père, je veux bien. Ce n'est pas la récompense de t'avoir élevé comme j'ai fait. Mais monsieur, je sais. Je suis contre elle dans une colère épouvantable. Mais mon père... Je n'ai plus aucune tendresse pour toi.
Mais monsieur... C'est une ingrate. Oh, mais... Une friponne. Une coquine. Oh, mais... Qui ne veut pas me dire ce qu'elle a. C'est un mari. Qu'elle veut. Je l'abandonne. Oh, un mari. Je la déteste et la renonce pour ma fille. Non, oui. Non, ne m'en parlez point. Ne m'en parlez point. Un mari. Ne m'en parlez point. Un mari. Oh. On dit bien vrai qu'il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Eh bien, Lisette, j'avais tort de cacher mon déplaisir. Oh, je n'avais qu'à parler pour avoir tout ce que je souhaitais de mon père. Et tu vois... Par ma foi, voilà un vilain homme. Et je vous avoue que j'aurais un plaisir extrême à lui jouer quelques tours. Mais d'où vient donc, madame, que jusqu'ici, vous m'a caché votre secret? Mais hélas, de quoi m'aurait servi de te le découvrir plus tôt? Crois-tu que je n'avais pas prévu le refus de mon père et que je ne connaisse pas parfaitement tous ses sentiments? Et qu'il ne me reste aucun espoir. Mais oui, c'est ce jeune homme que vous voyez par la fenêtre de votre chambre et qui vous a fait demander à votre père. L'avez-vous rencontré? Peut-être n'est-il pas honnête à une fille de s'expliquer si librement. Mais je t'avoue que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, ce serait lui que je voudrais. Nous n'avons eu ensemble qu'une seule conversation. Et si sa bouche ne m'a pas déclaré la passion qu'il a pour moi, dans tous les lieux où il m'a pu voir, ses regards m'ont toujours parlé si tendrement que mon cœur ne put s'empêcher d'être sensible à ses ardeurs. Et cependant, tu vois où la dureté de mon père réduit toute cette tendresse. Allez, laissez-moi faire. Quel que soit le sujet que j'ai de me plaindre, le secret que vous m'avez fait, je veux servir votre amour. Pourvu que vous ayez assez de résolution. Mais que faire contre l'autorité d'un père? Et s'il est inexorable à mes voeux? Que sourire d'amour est-il douce chose quand la nouvelle s'oppose? C'est mené comme un oison. Et pourvu que l'honneur ne soit pas forcé, on peut se libérer quelque peu de la tyrannie d'un père. N'êtes-vous pas en âge d'être marié? Et croit-il que vous soyez de marbre? Allez, encore une fois, je me servir votre passion et vous verrez que je sais les détours. Mais j'entends votre père. Rentrons et me laissez agir. Il est bon, quelquefois, de ne point entendre les choses qu'on entend trop bien. Et j'ai fait changement d'éviter la déclaration d'un désir que je ne suis pas résolu de contenter. A-t-on jamais rien vu de plus ridicule que cette coutume où l'on veut assujettir les pères? Rien
de plus ridicule et de plus impertinent que d'amasser du bien avec de grands travaux et élever une fille avec beaucoup de soin et de tendresse pour se dépouiller de l'un et de l'autre entre les mains d'un homme qui ne nous touche de rien. Non, 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 je me meurs de cette affaire et je veux garder mon bien et ma fille pour moi. Oh, malheur, oh, dites-moi, oh, pauvre Seigneur Canaret, où pourrais-je te rencontrer? Qu'est-ce? Oh, misérable père, que feras-tu quand tu sauras cette nouvelle? Oh, ma pauvre maîtresse! Mais je suis perdue! Oh, quelle infortune, quel malheur! Quoi? Quelle fatalité! Lisette! Lisette! Vous étiez là, monsieur. Mais qu'y a-t-il? Votre fille. Oh, ma fille! Mais ne pleurez pas comme ça, elle va me faire rire. Eh bien, dis-moi vite! Votre fille, toute saisie de vos paroles et de la colère effroyable où elle vous a vu contre elle, est vite montée dans sa chambre, où elle a ouvert la fenêtre et regarde sur la rivière. Eh bien! Alors, levant les yeux au ciel. Non, a-t-elle dit. Je ne peux plus vivre avec le goût de mon père. Et puisqu'il me renonce pour sa fille, je vais mourir. Il s'est jeté. Ah non, 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 monsieur, non. Elle a tout doucement fermé la fenêtre et s'est allée mettre sur son lit où elle s'est prise à pleurer amèrement. Et tout d'un coup, son visage a changé. Ses yeux se sont tournés, le cœur lui a manqué, elle m'est demeurée entre les bras. Oh, ma pauvre fille! Après, je la tourmentais, je l'ai remise, mais cela lui reprend de moment en moment. Je crois que ça ne passera pas la journée. Oh, au secours! Au secours! Vite qu'on va chercher des médecins, et en quantité, j'en veux au moins 4! On ne peut trop en avoir en parler, l'aventure! Oh, ma pauvre fille! Que voulez-vous faire, monsieur? De 4 médecins, n'est-ce pas assez d'un seul pour tuer une personne? Taisez-vous donc! 4 conseils valent mieux qu'un! Est-ce que votre fille ne peut pas bien mourir sans le secours de ces messieurs-là? Est-ce que les médecins font mourir? Sans doute! Et j'ai connu un homme qui prouvait, par raison démonstrative, qu'il ne faut jamais dire une telle personne est morte d'une fièvre et d'une fluxion sur la poitrine, mais elle est morte de 4 médecins et de 2 apothicaires. Oh, vous vous taire! N'enfoncez pas ces messieurs! Quelle impertinence! Les voici! Vous allez être bien édifiés. Bonus, malus, mordicus et tant et plus, ils vous diront en latin. Votre fille est malade. La malade et sans doute qu'il y a beaucoup d'impureté en elle. Ma fille est impure. Beaucoup d'impureté dans son corps. Quantité d'humeur corrompue. Oh, mais nous allons consulter entends. Ensemble. Eh ben oui, c'est bien vous, monsieur. Mais de quoi donc connaissez-vous, monsieur, vous? De l'avoir vu l'autre jour chez la bonne amie de madame votre nièce. Oh. Comment se porte son cocher? Fort bien. Il est mort. Mort? Oui. Cela ne se peut. Je ne sais si cela se peut, mais je sais bien que cela est. Il ne peut pas être mort, vous dis-je. Et moi, je vous dis qu'il est mort et enterré. Ah, mais... Vous vous trompez. Je l'ai vu. Cela est impossible. Hippocrate dit que ces sortes de maladies ne se terminent qu'au 14 ou au 21. Et
Il n'y a que 6 jours qu'il est tombé malade. Hippocrate dira ce qui lui plaira, mais le cocher est mort. Paix ! Discoureuse ! Allons, 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 sortons d'ici ! Messieurs, ne l'écoutez pas, et je vous supplie de consulter de la bonne manière. Paris est étrangement grande et il faut faire des longs trajets quand la pratique donne un peu. Il faut dire que j'ai une mule admirable pour cela. Et qu'on a peine à croire le chemin que je lui fais faire tous les jours. J'ai un cheval merveilleux, et c'est un animal infatigable. Savez-vous le chemin que ma mule a fait aujourd'hui? Je suis allé premièrement tout contre l'arsenal, de l'arsenal au fond du faubourg Saint-Germain, du faubourg Saint-Germain au Marais, du Marais à la porte Saint-Honoré, de la porte Saint-Honoré au faubourg Saint-Jacques, du faubourg Saint-Jacques à la porte de Richelieu, de la porte de Richelieu ici, et d'ici, je dois encore me rendre à la place royale. Mais mon cheval a fait tout cela aujourd'hui. Et en plus, j'ai été à Châteauroux, voir une malade. Mais à propos, quel parti prenez-vous dans la querelle des deux médecins ? Artémius et Théophraste, entre les anciens et les modernes, car c'est une affaire qui partage tout notre corps. Moi, je suis pour Artémius, gentil pour les anciens, fidèle à Hippocrate. Moi aussi. Son avis, comme on l'a vu, a été fatal aux malades, alors que Théophraste l'aurait sauvé. Mais il n'est point permis de trahir les anciens, qu'en dites-vous? Sans doute. Il faut toujours garder les formalités, quoi qu'il puisse arriver. Pour moi, j'y suis sévère en diable. Et il y a quelques jours, lors d'une consultation avec des médecins du dehors, j'arrêtais toute discussion, exigeant que l'ordre de la faculté soit suivi à la lettre. La maladie pressait, mais je n'en voulus point démordre, et la malade mourut bravement pendant cette contestation. C'est fort bien fait d'apprendre aux gens à vivre et de leur montrer leur bec jaune. Un homme mort n'est qu'un homme mort et ne fait point de conséquences. Mais une formalité négligée porte un notable préjudice à tout le corps des médecins. Messieurs, l'oppression de la fille augmente. Dites-moi vite ce que vous avez résolu. Monsieur. Signora, s'il vous plaît. Je ne parlerai au premier. Monsieur. Et de grâce, messieurs, laissez toutes ces cérémonies, les choses pressent. Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille. Et mon avis à moi est que cela procède d'une grande chaleur de sang. Ainsi, je conclus à la saigner. Le plus tôt que vous pourrez. Et moi, j'ai dit que sa maladie est une pourriture des humeurs, causée par une trop grande répression. Ainsi, j'ai conclu à lui donner des l'émétique. Je soutiens que l'émétique la tuera. Et moi, que la saignée la fera mourir. C'est bien à vous de faire la bilogue. Oui, c'est ami. Et je vous mettrai au défi en tout genre d'érudition. Souvenez-vous de l'homme que vous fîtes crever il y a quelques jours. Souvenez-vous de la signorita que vous avez envoyée en l'autre monde, il y a 3 jours. Je vous ai dit mon avis. Je vous ai dit ma pensée. Si vous me faites saigner tout à l'heure votre fille, c'est une personne morte. Si vous la faites saigner, elle ne sera pas en vie dans un quart d'heure. Ce n'est pas qu'avec tout cela, votre fille ne puisse mourir. Mais au moins, vous aurez fait quelque chose et vous aurez la consolation qu'elle sera morte suivant les règles. Et il vaut mieux mourir selon la forme que d'en réchapper contre les formes.
Oh, ma fille, ma pauvre fille. Ne voyez-vous pas bien quel tort ces sortes de querelles nous font parmi le monde? Et n'est-ce pas assez que les savants voient les contrariétés et les dissensions qui sont entre nos auteurs et nos anciens maîtres, sans découvrir encore au peuple, par nos débats et nos querelles, la forfanterie de notre art? Pour moi, je ne comprends rien du tout à ces sortes de querelles. Et il faut confesser que toutes ces contestations ont déconsidéré notre art depuis peu d'une étrange manière. Et que si nous n'y prenons garde, nous allons nous ruiner nous-mêmes. Je n'en parle pas pour mon intérêt, car Dieu merci, j'ai déjà établi mes petites affaires. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il grêle, ceux qui sont morts, sont morts. Et j'ai de quoi me passer des vivants. Mais enfin, toutes ces disputes ne valent rien pour la médecine. Et vous risquez fort d'être radié de notre noble confrérie. Puisque le ciel nous fait la grâce que depuis tant de siècles on demeure infatué de nous, ne désabusons point les gens avec nos cabales extravagantes et profitons de leur sottise le plus doucement que nous pourrons. Nous ne sommes pas les seuls, comme vous savez, qui profitons de la faiblesse humaine. C'est là que va l'étude de la plupart des gens. Et chacun s'efforce de prendre les hommes par leurs faibles pour en tirer quelques profits. Les flatteurs, par exemple, profitent de l'amour des hommes pour les louanges. C'est un art où l'on fait, comme on voit, des fortunes considérables. Les alchimistes profitent de la passion qu'on a pour les richesses en promettant des montagnes d'or à ceux qui les écoutent. Les diseurs d'horoscope, hein, avec leurs prédictions trompeuses, profitent de la vanité, de l'ambition des esprits crédules. Mais le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie. Et nous en profitons, nous autres, avec notre pompeux galimatia, et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour notre métier. Tâchons de conserver l'estime des gens, et accordons-nous pour nous attribuer les heureux succès de la maladie et pour rejeter sur la nature toutes les bévues de notre art. N'allons point détruire sottement une flatteuse réputation qui donne du pain à tant de personnes.
voyons, monsieur, qu'en est-il pour ma fille? Avez-vous pris une résolution? Nous envisageons d'autres médecines. D'autres, pour elle. D'autres médecines? Des médecines modernes. Elles font miracle. Faites entrer, mon confrère. Lucinde, allez gifler mon assistant. Allez cajoler mon assistant. Mon assistant. Mon assistant. Mon assistant. Mon assistant. Et maintenant, ne voyez-vous pas les heureux succès de ce traitement? Nous avons aussi un autre thérapeute. Il arrive directement de Thaïlande. Thank you.
Voyez le bon effet sur la patiente. À présent, convoquons notre phonothérapeute. Oh, Miss Diamond! Oh, rejoice! Rejoice greatly! Ah, yes, you stand up very well. Oh, you don't understand English, oh no. Capisce italiano? No, no, no. Entendete usted español? No. Ach, so. Sie verstanden nicht deutsche Sprache? Ah, Gavarice Barutski. Ah, nimm Moscha? Ah, Französisch, wie viel? Français. Ah, Arthur. Ah. Ah, on va essayer de parler français. On va respirer ici, bien, ici, respirer. Non, pas ici. Une main là, l'autre main là, respirer là, pas là. Là, respirez. Non, pas là. Respirez là. Non. Oh! Che poverina. Altra cosa. Oh! Faire comme moi. Oh, pubblico aiuto. Oh, grazie, grazie tante, come il pubblico. Oh, bravi, bravi tanti. Bravi, grazie tanti. Altra cosa, o autre chose? Exercice. Mon mimi a mangé mon moumou. Mon mimi a mangé mon moumou. Mon mimi a mangé mon moumou. Répétez. Mon minou a mangé mon doudou. Non. Mon mimi. Grazie. Mimi. Mi prego. Mimi. Grazie. È vero. C'est juste. Mon mimi. Mon minou a mangé ma nounou. Non, mon mimi. Minou. Mimi. Ma nounou. Nounou. Mon doudou. Ma nounou. Mimi. Mimi. La note. The tune. La note. Mimi. Mimi. Mon mimi. Deux fois. Ah, grazie. Molto bene. Mon mimi a mangé mon mou. Mon mimi a mangé mon mou. Mais non, le minou est bene, il minou. Ha ha ha!
Un instant, s'il vous plaît, que je vous montre ma spécialité dont la faculté vante l'efficacité. Êtes-vous mon amant? Perdez-vous la mémoire? C'est bien à vous, ingrate, à vous plaindre de moi. Inconsciente, oublieuse ainsi de votre foi, je viens pour vous parler. Et que vois-je, séant, Lucinde abandonnée dans les bras d'un galant? Mais j'ai dû subir d'étranges thérapies.
Et il voulait me guérir ma mélancolie et il m'avait envoûté. Et ce n'était plus moi. Je vous aime toujours. Croyez donc à ma foi. Non, non, c'en est fini. Et ces jupons qui volent m'assurent vérité malgré votre parole. Arrêtez, chère Clitande. Elle est toujours éprise. Cette bouffonnerie-là fait votre méprise. Parlons au plus pressé, laissons-la ses discours. Elle n'aime que vous et vous attend toujours. Lucinde, est-ce bien vrai? Mon cœur est tout à vous. À vous dire le vrai, les amants sont bien fous. J'ai trouvé le moyen d'arranger vos affaires et de donner le change à monsieur votre père. Il faut de toute urgence arriver à vos fins. Mettez donc ce chapeau d'illustre médecin. Inventez votre jeu, un peu de hardiesse, vous pourrez vous parler. Je me charge du reste. Allégresse. Qu'est-ce? Réjouissez-vous, monsieur. Oui, réjouissez-vous. De quoi? Réjouissez-vous, vous dis. Ah, dis-moi ce que c'est, je me réjouirai peut-être. Je vous dirai ensuite ce que c'est. Je veux que vous réjouissiez d'abord, que vous chantiez, que vous dansiez, que vous sautiez. Et sur quoi? Sur ma parole. Oh, alors, là, 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 oh, que diable! Votre fille est guérie. Ma fille est guérie? Oui, je vous amène un médecin, mais... un médecin d'importance qui fait des cures merveilleuses et qui se moque des autres médecins. Oh, mais où est-il? Je vais le faire entrer. Oh, il faut voir si celui-ci fera plus que les autres. Le voici. Voilà un médecin qui a la barbe bien jeune. La science ne se mesure pas à la barbe, mais c'est pas par le menton qui est habile. Monsieur, on m'a dit que vous aviez des remèdes admirables pour faire aller à la selle. Monsieur, mes remèdes sont différents de ceux des autres. Eux, ils ont les bétiques, les saignées, les médecines et les lavements, mais moi, je guéris par des mots, par des paroles, par des talismans et par des anneaux constellés. Que vous ai-je dit? Voilà un grand homme. Monsieur, comme votre fille est dans sa chambre, je vais l'aller chercher. C'est Lucinde, c'est la malade. Oui, 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 fais donc. Oh, votre fille est bien malade. Et vous comprenez cela par mon bras? Oui, par la sympathie qu'il y a entre le père et la fille. Asseyez-vous ici et discourons un peu. Dites-moi, selon vous, ce que Lucinde veut. Elle veut se marier, c'est son plus grand désir. Le mien est tout contraire. Je veux comment dire, qu'elle renonce au projet qui va l'éloigner de son papa chéri qu'elle ne doit pas quitter. Elle est bien jeune encore pour s'en aller si loin de notre Nilouillet où nous sommes si bien. Mais ne voyez-vous pas qu'en exprimant son vœu, elle redoute surtout qu'on le prenne au sérieux? Je vais vous expliquer. En fait, son vrai désir, ne le sentez-vous pas, est un contre-désir qui rejette l'horreur de se voir séparée pour toujours à jamais de son père adoré. Et tout ça se complique lorsque son surdésir entrevoit son désir sur le point de mollir. Or, pour le rendurcir, c'est le contre-désir qui fantasme à tout va, inventant le désir. Oui. Désir, contre-désir, sur-désir. J'ai un doute d'avoir bien tout compris. En fait, je n'y vois goutte.
Pourtant, ce médecin me semble comprendre pourquoi ma fille s'est entichée de clitendre. Je pressens que cet homme est un docte savant qui réglera la fièvre avec un grand talent. Reprenons. Monsieur, vous vous trompez. C'est pas lui qui est malade, c'est sa fille Lucinde. Oh. Voici. Laissons-les là tous deux. Mais pourquoi je veux demeurer là? Vous vous moquez? Un médecin a 100 choses à demander qu'il n'est pas honnête qu'un homme entend. Oh. Mademoiselle. Il me semble que tu lui parles de bien près, hein? Oh, c'est qu'il observe son visage et sa physionomie. Oh. Serez-vous constante, madame, dans ces bontés que vous me témoignez? Et vous, serez-vous ferme dans les résolutions que vous avez montrées? Ah, madame, jusqu'à ma mort, je n'ai pas de plus forte envie que d'être à vous. Et je vais le faire paraître dans ce que vous m'allez voir faire. Eh bien, notre malade, elle me semble un peu plus gaillarde. C'est que j'ai déjà fait agir sur elle un de ces remèdes que mon art m'enseigne. Comme l'esprit a grand empire sur le corps, et que c'est de lui bien souvent que procède la maladie, ma coutume est de courir à guérir les esprits avant que d'en venir au corps. J'ai donc observé ses regards, les traits de son visage et les lignes de ses deux mains, et par la science que le ciel m'a donnée, j'en conclus que tout son mal ne provient que d'une imagination déréglée et d'un désir dépravé de vouloir être remarié. Pour moi, je ne vois rien de plus extravagant et de plus ridicule que cette envie que l'on a du mariage. Oh, quel habile homme! J'ai eu et j'aurai pour le mariage toute ma vie une aversion effroyable. Oh, voilà un grand médecin! Mais, comme il faut flatter l'imagination des malades, je l'ai prise par son faible et dévie que j'étais venu ici pour vous la demander en mariage. Oh. Fort bien. Soudain, son visage a changé. Son teint s'est éclairci, ses yeux se sont animés. Et si vous pouvez la laisser quelques jours dans cet état, vous verrez, nous la tirerons de là. Oh, fort bien, fort bien. Ma fille? Après, après. Nous ferons agir d'autres remèdes pour la guérir entièrement de sa maladie. Oh, fort bien. Ma fille, voici monsieur. J'ai envie de t'épouser et je lui ai dit que je voulais bien. Hélas, est-il possible? Oui. Mais tout de bon? Oui, oui. Quoi, monsieur, vous êtes dans les sentiments d'être mon mari? Oh, oui, madame. Et mon père est consent? Oui, ma fille. Oh, que je suis heureuse. Oh, si cela est véritable. Ah, n'en doutez point, madame. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous aime et que je brûle d'être votre mari. Et pour vous dire les choses comme elles sont, je n'ai fait le médecin que pour m'approcher de vous et obtenir ce que mon cœur désire. Oh, c'est me montrer les mains d'un amour bien tendre. Et je suis sensible. Oh, la folle, la folle. Vous voulez bien, mon père, me donner monsieur pour épouse? Oui, oui, ça, donne-moi un peu ta main. Donnez-moi aussi un peu la vôtre pour pouvoir laisser penser pour le contenter l'esprit. Là, toucher, là, toucher, là, là. Ah, voilà qui est fait. Acceptez pour gage de ma foi cet anneau que je vous donne. C'est un anneau constellé qui guérit les égarements d'esprit. Faisons donc le contrat, afin que rien n'y manque. Hélas, je le veux bien, madame. Je vais faire monter l'homme qui prescrit mes remèdes et lui faire croire que c'est un notaire. Oui, oui, oui. Hola ! Bien. Faites venir le notaire que j'ai amené avec moi. Quoi? Vous aviez ramené un notaire? Oui, madame. Oh, j'en suis ravie. Oh, la folle, la folle. L'espoir dans mon cœur plein de naître. Dieu, que ça fait mes chers et son rire si beau. Dieu, secourra l'apaisez-vous. Dieu, secourra l'apaisez-vous. La vengeance du ciel n'a que conçu pas d'être.
amène sa miracle qu'on a tué pour nous. Au ciel, favorisez le lieu qu'il a vu naître. Ce médecin miracle combattu pour nous. Au ciel, favorisez le lieu qu'il a vu naître. Ce médecin miracle combattu pour nous. Au ciel, favorisez le lieu qu'il a vu naître. Au ciel, favorisez le lieu qu'il a vu naître. Pour ces deux personnes-là, écrivez. Voilà le contrat que l'on fait. Je lui donne 20 000 écus en mariage. Écrivez. Oh, je vous ai bien obligé, mon père. Voilà qui est fait. Vous n'avez qu'à venir signer. Voilà un contrat bientôt bâti. Au moins. Mais non, c'est-on pas bien. Donnez-lui la plume pour signer. Allons, signe, signe. Ah, je signerai après. Je signerai après. Va, va. Signe. Non, 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 je veux avoir le contrat signé entre mes mains. Voilà! Es-tu contente? Plus qu'on ne peut imaginer. Oh, voilà qui est fait, voilà qui est fait. Au reste, je n'ai pas eu seulement la précaution d'amener un notaire. J'ai eu celle aussi de faire venir des instruments et des voix pour nous réjouir et célébrer la fête. Oh, fort bien, fort bien. Qu'on les fasse venir. On a une plaisante façon de guérir. Oh. Mais ma fille et le médecin? Ils sont allés achever le reste du mariage. Comment le mariage? Eh oui, monsieur, il avait cassé bridé. Vous avez cru faire un jeu qui demeure une vérité. Mais comment il faut arrêter cela? Laisse-moi passer, peste sois-tu! Peste sois-tu! Là-haut, dans le ciel, un ballon. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Oh! Il s'envoie en l'air. Sonnons tous les hommes de bienfaits. Sonnons tous les hommes de bienfaits. Et c'est nous qui sommes leur armée de saints. Et c'est nous qui sommes leur armée de saints. Et c'est nous qui sommes leur armée de saints. Oh, my God.